Je te bénis, Père, parce que tu as caché cela aux sages et aux habiles, et tu l'as révélé aux tout petits. On appelle ça l'hymne de jubilation du Christ ou l'hymne de bonheur. Et je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait que Jésus s'étonne de ce que sa parole et son message sont accueillis et entendus. Non pas qu'il désespère de l'homme, mais c'est l'acte par lequel ce qu'il vit au plus intime de lui-même, être fils du Père, être aimé infiniment par Dieu, il découvre au fur et à mesure, au fil de sa prédication, que certains découvrent le même bonheur. Ça nous met exactement sur la longueur d'onde de la révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation ? C'est que Jésus, qui est le révélateur du Père parce qu'il le connaît, s'émerveille de ce que lui-même peut partager du plus intime de son bonheur. J'insiste là-dessus. La révélation, c'est tout autre chose que de la communication. Voyez, frères et sœurs, si nous sommes heureux d'être chrétiens, ce n'est pas parce que nous avons des références catéchétiques, évangéliques, théologiques, pastorales, extraordinaires. Si nous sommes heureux d'être chrétiens, si nous sommes heureux d'être ici à la messe ce matin, c'est parce que d'une certaine façon, à des degrés très, très variables et très variés, selon nos personnalités, selon nos manières d'être, selon nos tempéraments, nous partageons quelque chose de ce bonheur-là. Et je pense que quand il est devant une assemblée comme la nôtre, le Christ là-haut doit dire « Je te bénis, Père, que ce que je vis au plus intime de moi-même, dans l'amour que tu m'as voué de toute éternité, ceux qui sont là le partagent. » Vous voyez que c'est autre chose qu'un système religieux. C'est la communication du plus intime du bonheur que Dieu porte en lui, le Fils, et qui découvre tout à coup que c'est celui qui est la source du bonheur en lui est aussi la source du bonheur dans ceux qu'il trouve autour de lui. Et à ce moment-là se pose la question, mais quel est ce bonheur? D'où ça vient? Alors là, évidemment, c'est là où c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que Jésus l'exprime en termes de « il y en a qui comprennent et il y en a qui comprennent rien ». C'est souvent comme ça dans notre vie, nous le savons bien. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont évidentes pour nous et les autres ne le comprennent pas. C'est comme ça. Simplement, je pense que nous n'avons pas les mêmes critères que Jésus, donc il faut être très prudent. Mais c'est quand même vraiment le problème. C'est-à-dire, comment se fait-il que ça touche le cœur de certains et pas d'autres? Et là, on le voit bien aujourd'hui, c'est une des questions pour lesquelles nous sommes souvent sans réponse. Parce que nous sommes effectivement devant le fait, pour nous, croire que Dieu nous aime, ça nous paraît évident. Et pourquoi il y en a à qui ça ne paraît pas évident? Là, évidemment, je crois qu'il vaut mieux pas que nous apportions nos réponses à nous-mêmes. Parce que quand on commence à dire « Oui, mais ce monde est tellement matérialiste, il ne s'occupe que de son confort, etc. »« Je t'en fiche », c'est absolument pas un argument. Car il y a des gens qui ont un confort extraordinaire et qui, en réalité, entendent aussi cette parole. Alors, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, je voudrais prendre une comparaison entre deux notions qui nous sont familières. Le secret et le silence. Apparemment, les deux choses sont les mêmes. Le secret,
c'est se taire, et le silence, c'est se taire. Donc on peut dire, garder un secret ou garder le silence, c'est exactement la même chose. Pas du tout. Grave erreur. Pourquoi ? Parce que, je commence par le silence. Quand on garde le silence, ça veut dire ça ne regarde pas les autres. Le silence, c'est le domaine du quant à soi. On garde le silence habituellement, pas tout le temps, mais on garde habituellement le silence sur ce qu'on ne veut pas communiquer. On ne veut pas le communiquer. Pourquoi ? Oh ben parce que ça serait des complications, et puis ça ferait des cancans, et puis ça ferait des ragots et tout ça. Donc, il vaut mieux garder le silence. Il y a un certain nombre de milieux, dont une certaine forme de vie ecclésiale, qui n'en sont pas exclus. Le silence, en réalité, est très souvent, je ne dis pas uniquement, mais très souvent, basé sur le fait que on veut préserver son quant à soi et on n'a aucune raison de le communiquer. Ou même plus exactement, on a d'excellentes raisons de ne pas le communiquer. C'est pour se mettre à l'abri. Et c'est pour créer... Le silence crée un vide. C'est souvent comme ça. Mais le secret... Prenez des cas de secret. Le jour où un jeune homme tombe amoureux d'une jeune fille, il va falloir le lui dire. Et il porte ce secret, mais il ne sait pas comment faire. Devant le secret, il y a deux choses qui sont contradictoires. La première chose, c'est qu'on ne comprend pas tout à fait ce qui nous arrive. Le secret est généralement une chose qui est plus grande que nous, plus forte que nous. D'une certaine manière, on ne maîtrise pas le secret. Quand on porte vraiment un secret en soi, vous le savez, et ce secret peut être joyeux, mais il peut être douloureux. On sait qu'on est malade, qu'on est fichu, etc., et on ne veut pas le dire aux autres. Ce n'est pas le silence. On dit des fois, ah, il a depuis 3 mois un cancer, mais il a gardé le silence. Il a gardé le secret. C'est tout différent. Et donc, il y a cette première exigence du secret, c'est quelque chose qui a un poids immense. On ne garde pas le secret, en général, sur le fait qu'on est un peu addict à la cigarette. On l'avoue assez volontiers et on en rallume une. Donc, vous voyez, là il n'y a pas matière, quoi. Supportez-moi comme je suis un fumeur invétéré, c'est pas un secret. En revanche, donc ça, ça n'a pas d'importance. Mais dans le secret, non seulement il y a quelque chose qui a du poids, mais il y a quelque chose dans ce secret qu'on voudrait partager. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand on porte quelque chose de secret, c'est d'ailleurs pour ça que ça fait ces grandes difficultés. C'est que, comme disait l'autre, un secret, c'est une chose qu'on ne raconte qu'à une personne à la fois. Certes, c'est très souvent le cas, surtout plus on va vers le sud. Mais vous comprenez, le secret, il y a quelque chose dans le secret qui est si profond, qui touche si profondément notre être, et qu'on voudrait le partager précisément avec soit ceux qui sont les plus liés à nous et auxquels nous sommes les plus liés, soit même à tout le monde, parce que c'est tellement profond, tellement beau, etc. Mais quand on commence à arriver au secret qu'on veut divulguer à tout le monde, et ça devient quand même un peu suspect. C'est très, très, très proche des masses médias. Et là, il faut se méfier. Mais vous voyez la dynamique du secret. La dynamique du secret, c'est le poids de la réalité qu'on découvre, un poids immense. Et puis ensuite, on se dit, il faut que je le communique, mais comment faire ? Et là, j'allais dire, c'est vraiment la quadrature du cercle. Parce qu'à la fois, on veut le garder, ce secret, mais en même temps, on se dit,
s'il peut faire autant de bonheur en moi que dans l'autre, quand c'est le cas de secret heureux, mais s'il cause autant de souffrance en moi que dans l'autre, est-ce que je peux le faire? Alors, c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus ce jour-là. Je ne dis pas qu'il a pris conscience, mais pour le coup, nous est dit comment Jésus conçoit ce qu'on appelle précisément la révélation, la mise au grand jour. Il se promenait sur les chemins de Galilée. Il se promenait comme un prédicateur ambulant, il y en avait beaucoup. Les rabbis pouvaient, quoique c'était rare, hein, pouvaient être des rabbis ambulants, mais c'était rare. Mais donc, d'une certaine manière, il dévoilait quelque chose. Mais il ne savait pas si ce qu'il dévoilait pouvait toucher le cœur des humbles au même point que cela avait bouleversé son être de toute éternité. Et là, tout à coup, il se rend compte que dans le public là, il y en a qui comprennent immédiatement. Et c'est plus que comprendre. Ils sont bouleversés par cette parole. On appelle généralement ça la conversion. Ne commençons pas avec des grands mots et des grandes transformations de comportement, de vie, et de, etc. Ça change les choses, la conversion. Mais je pense que ce qui devait toucher le plus intime de Jésus, et là, il percevait le secret, c'est que ce qu'il vivait lui-même à l'intérieur de lui-même commençait à vivre dans le cœur de certains membres de son auditoire. Et lesquels? Précisément ceux qui n'avaient pas fait l'ENA. Il n'y a pas d'ENA. Donc vous voyez, j'allais dire, ce jour-là, c'est quand même la surprise de la part de Jésus. C'est une immense surprise. Comment se fait-il que ceux que la société met un peu à part, considère comme des demi-portions, considère comme des gens qui ne savent pas exactement, qui s'en sortent mal, ces petits paysans de Galilée, comment se fait-il que c'est ceux-là qui écoutent ma parole? Comment se fait-il? Et pas simplement, j'allais dire, ils n'écoutaient pas la parole sur le mode de l'obéissance, parce que c'est ça le problème, c'est que l'évangile, ce n'est pas fait pour être obéi, c'est fait pour habiter le cœur des hommes. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, j'allais dire, c'est beaucoup plus que simplement dire « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». C'est tout à coup être habité par l'émerveillement de Dieu, comme le Christ est de toute éternité, dans l'infini de son amour, amour reçu, amour donné, est émerveillé de Dieu, son Père. Alors évidemment, c'est pour ça qu'il peut dire à la fin cette chose si belle, « Mon joug est doux, mon fardeau léger ». C'est-à-dire que la révélation, la connaissance du mystère de Dieu, le pressentiment de la façon dont Dieu, le Père, aime son Fils dans l'Esprit, c'est pas un casse-tête pour théologien. C'est le bonheur de découvrir tout d'un coup que la vie la plus intime et la plus profonde de Dieu est déjà un échange et le bonheur de partager. Frères et sœurs, c'est une grande notion de la vérité. Si la vérité est faite pour être partagée, eh bien chacun d'entre nous, entre guillemets, non pas y a droit, mais est sollicité pour partager cette expérience. Et même si nous nous sentons très maladroits et très pauvres devant ce cadeau que Dieu veut nous faire, peu importe, il suffit de savoir que c'est un fardeau léger et qu'on se laisse emporter, embarquer par cet amour et cette tendresse de Dieu comme deux êtres qui découvrent tout à coup qu'ils s'aiment et qu'ils veulent vivre ensemble la même aventure et partager le même secret.